Bonsoir. Aujourd'hui, je suis vraiment content de vous présenter une petite chose. Voilà, il s'agit du Tangelo. Du Tangelo, et le sujet, c'est le Tangelo, mais le porte-greffe, c'est du citronnier. Voilà. Donc, ici, le porte-greffe, c'est ça. C'est le porte-greffe. Donc, le greffon, voilà ici, c'est à partir d'ici qu'on a greffé. Donc, vous voyez, ce feuille-là, c'est le feuille de Tangelo. Voilà. Tangelo comme ça. Maintenant, à partir d'ici là, les repousses là, ça, c'est du citronnier. C'est du citron comme ça. Vous voyez, non? Si vous remarquez, vous allez voir qu'ici, il y a des épines. Vous voyez les épines là? Il y a des épines partout. Voilà, partout. Et ici, il n'y a pas d'épines. Parce que c'est du Tangelo. Voilà. Donc, et si on laisse la plante évoluer comme ça, on aura des fruits différents. Voilà, des Tangelo et des citronnés. Donc, ce qui n'est pas bon. Ça permet pas à la plante même de bien produire. Voilà, donc, c'est mieux de tailler et puis laisser, en tout cas, soit les citronniers ou bien les Tangelo. Mais je pense que bon, on a greffé parce qu'on a besoin du Tangelo. Donc c'est mieux de laisser le Tangelo évoluer et puis couper les repousses des citronniers là. Donc voilà. On va enlever les repousses. Bon. Ça poussait, mais bon, on ne peut pas les laisser. Donc, vous voyez, non. Voilà, on a enlevé. Puis on a laissé le porte-greffe. Et puis voilà. Donc maintenant, quand la plante va évoluer, bon, ça sera du Tangelo seulement. Voilà. Merci.